Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre numéro 55 consacré aux objets destructibles. Qu'est-ce que c'est les objets destructibles? C'est par exemple les buissons, c'est par exemple les vases, les pierres, et ils ont complètement changé depuis le passage à 1.2. Quand vous ouvrez le dialogue d'édition d'un objet destructible, vous allez vous en rendre compte. Ça a tellement changé que maintenant il y a besoin d'un ascenseur, tellement ils sont personnalisables. Avant, en gros, vous pouviez choisir, bon, bien sûr, le nom, la position, le trésor, et le sous-type. Ça s'appelait le sous-type de destructible. Vous aviez des sous-types prédéfinis, buisson, herbe, vase, pierre noire, pierre blanche, et vous pouviez pas personnaliser plus. Vous pouviez pas choisir, par exemple, est-ce que le buisson est soulevable dès le début du jeu, ou est-ce qu'il faut une compétence de soulever pour le soulever. Même chose pour les vases. Vous savez que les vases de Link to the Past, on peut les soulever dès le départ, alors que dans Link's Awakening, il faut le bracelet de force pour les soulever. Donc maintenant, c'est personnalisable. Le moteur ne vous impose plus rien de ce côté-là. Vous pouvez choisir le sprite, donc un buisson, un pot, ce que vous voulez, le son qui est joué ou non quand on détruit l'objet. Est-ce que l'objet peut être soulevé? Certains ne peuvent pas être soulevés du tout, hein. Par exemple les herbes qui sont là-haut ne peuvent pas être soulevées. Qu'est-ce que vous pouvez choisir d'autre? Donc si, quand vous ne pouvez pas le soulever, la case compétence soulevée, elle est grisée. Et quand vous pouvez les soulever, bah, vous pouvez choisir quelle compétence est nécessaire. 0, ça veut dire que vous pouvez la soulever dès le début du jeu. 1, ça veut dire qu'il faut avoir le niveau 1 de la compétence lift, soulever. Est-ce que vous pouvez le couper avec l'épée? L'herbe, elle peut être coupée. Les buissons aussi. Mais pas les vases, par exemple. Alors que dans certains jeux, les vases peuvent aussi l'être. Donc c'est vraiment vous qui choisissez. Est-ce qu'il peut exploser, régénérer? Donc ça, c'est plutôt pour les choupetteurs. Car oui, il y a des choupetteurs dans ZSDX, il y en a. Est-ce que les ennemis se font blesser quand ils sont touchés par l'objet quand on le lance? Et si oui, combien de dégâts on inflige à l'ennemi? Et enfin, quel est le terrain spécial que l'on attribue à notre objet? Ça, c'est utilisé pour les herbes, c'est pas utilisé pour le reste. Donc les autres, si vous spécifiez rien, ils sont des obstacles. Et si vous spécifiez un terrain, eh bien ils sont plus obstacles. Vous pouvez mettre un terrain, par exemple, un terrain d'herbe. Donc là, notre deuxième buisson, on va essayer, il va être très 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 bizarre. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez personnaliser. Le premier, il n'a pas changé. Le deuxième, ben, on peut marcher dessus et puis il se comporte comme de l'herbe. Ça ne sert pas à grand-chose. C'était juste pour vous montrer que vous personnalisez ce que vous voulez. Donc on va le laisser en aucun special ground. Voilà. Attendez, je vérifie. Ok, c'est bon. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était beaucoup demandé, de pouvoir décider si vous avez envie de permettre aux joueurs de soulever les buissons dès le départ ou non. Tiens d'ailleurs, mon jumper là il est pas tout à fait bon. Hop, rien à voir. Mais ça c'est le perfectionnisme. Voilà, donc il y a aussi les vases. Bah, ça fonctionne exactement de la même façon que les buissons, hein. Les vases, j'en avais mis là. Sauf que c'est pas le même sprite, c'est pas le même son. Et puis ils peuvent pas être coupés, bien sûr. Et ils font un peu plus mal aux ennemis. Alors, il y a un truc qui nous restait à faire dans le quand on avait lu le guide de migration. Je vous avais dit, on va s'en occuper plus tard. Bon, le temps que ça se lance. En fait, quand vous regardez un buisson, il se passe plus rien. Ce qui est normal puisque tout est personnalisé maintenant. Il n'y a plus de dialogue prédéfini. Avant, il y avait un dialogue prédéfini qui disait que quand vous regardez un buisson,
sans avoir la compétence soulevée, eh bien, ça affichait un dialogue. Et ça affichait le dialogue « Cannot lift, should cut ». Quand vous regardiez un buisson, sans avoir ni l'épée, ni... je sais plus. Parce qu'en fait, les buissons peuvent être à la fois soulevés et coupés. Donc si vous pouvez ni soulever ni couper, ça vous disait il faut couper, je pense. Donc voilà, il y avait ces trois dialogues-là, cannot lift, should cut, cannot lift, too heavy, c'est trop lourd, et still too heavy, parce qu'il y avait les pierres noires qui sont encore plus lourdes que vous ne pouvez pas soulever, même en ayant la compétence de niveau 1 de lift. Et donc maintenant, le moteur n'affiche plus rien. Et si vous voulez qu'il affiche quelque chose, c'est là-dedans aussi, non? Ah non, justement, c'est pas là-dedans. Ce que j'aurais pu faire, c'est vous proposer une ligne supplémentaire là-dedans dans laquelle vous choisiriez le dialogue à afficher au cas où le joueur n'est pas en mesure de soulever l'objet. Ça aurait été quand même un petit peu pénible de dupliquer pour chaque buisson le nom complet d'un dialogue. Surtout qu'en plus c'est pas si simple parce que comme je vous disais, dans certains cas on a envie de dire il faut le couper, et dans certains cas on a envie de dire il faut le soulever. C'est là que les metatables vont nous sauver. Les metatables qui sont la fonctionnalité dont on a parlé au chapitre précédent. Donc l'idée étant d'afficher ces trucs là, c'est un de ces trois dialogues là, voilà, plus celui-ci, ça fait trois dialogues. Lorsque le joueur tente de soulever. Donc déjà, faut savoir qu'il y a... tout est personnalisable dans l'éditeur. Je viens de vous le montrer pour les destructibles. Et tout est personnalisable aussi dans le code. Vous avez maintenant des fonctions getTreasure, setTreasure, getWeight, setWeight... toutes les propriétés... que vous voyez dans l'éditeur peuvent être aussi accédés depuis le code. Et vous avez des événements, et ce qui nous intéresse c'est onLooked, qui est appelé lorsque le joueur regarde le destructible object, c'est-à-dire quand il appuie sur action devant l'objet mais qu'il n'est pas autorisé à le soulever. Donc par défaut rien ne se passe, et là, la documentation vous dit, vous pouvez par exemple afficher un dialogue pour dire c'est trop lourd. Et il y a même une petite remarque qui vous suggère de faire ce qu'on va faire tout de suite. De définir l'événement onLooked non pas sur chaque destructible, mais sur la metatable des destructibles. Comme ça, ça nous permettra de le faire une seule fois et il sera appliqué pour tous. Donc revenons dans Quest Manager. Le fichier dans lequel, le script dans lequel on avait initialisé une méta, enfin un comportement partagé sur les sensors, et on va initialiser un autre comportement partagé sur les destructibles. Pourquoi on va copier-coller pas mal de choses. End. Of destructibles. Donc on récupère la metatable du type destructible. Donc pour avoir la liste précise des types que vous pouvez mettre ici, évidemment vous n'avez qu'à aller voir la doc. C'est dans sol.main, getMetatable. Voilà, et tous ces types là ont une metatable. Tous les types du moteur en fait, hein, il n'y a pas d'exception. Et vous avez un autre exemple ici que vous pourrez aller voir, exemple d'utilisation des metatables pour afficher un système jour-nuit. Alors, déjà, on va avoir besoin de récupérer la partie pour regarder quelles sont les compétences dont on dispose. Est-ce qu'on peut couper? Est-ce qu'on peut soulever? Donc d'abord, si l'objet peut être coupé, donc par exemple c'est le cas des buissons,
Donc là, vous vous doutez bien que je suis en train de recopier ce que j'ai fait dans ZSDX. Un objet qui peut être coupé, mais qui ne peut pas exploser. Et si on n'a pas l'épée, si on n'a pas encore l'épée, donc là on va dire au joueur, il te faudrait un objet tranchant pour couper ce buisson. Puis on va mettre un petit commentaire quand même. Destructible can be cut, but the player has no cut ability. Dans ce cas-là, on va afficher notre dialogue. Cannot lift shortcut. Alors avant les dialogues imposés par le moteur, ils commençaient tous par underscore. Donc, comme il est plus imposé par le moteur, on va l'appeler comme ça simplement. Ou alors peut-être destructible pour que ce soit mieux organisé. Ouais, on va appeler ça destructible. Les trois comme ça. Et puis, comme là je fais un copier-coller parce que comme je suis dans la catégorie autre dialogue, obligatoire affiché par le moteur de jeu, c'est pas le cas, ils sont pas obligatoires, donc je vais les mettre plus vers le début. Mince, je suis pas du tout vers le début là. J'avais les trésors. Où est-ce que je vais mettre ça? J'aime beaucoup les trésors déjà. Ah oui, après l'inventaire. Le magasin. Voilà, je vais mettre ça après le menu d'inventaire, mais avant les choses qui sont spécifiques à certaines maps. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. À vous d'organiser votre fichier de dialogue comme vous voulez. Donc bref, j'avais dit destructible cannot lift shortcut. Ok. Alors, sinon, si on n'a pas la possibilité, enfin, c'est un objet qui devrait être soulevé, mais on n'a pas de compétence soulevée. Eh bien, on fait cannot lift should cannot lift too heavy. C'est trop lourd. Donc, nous, on sait qu'il n'y a pas d'autre cas parce que on sait que dans notre jeu, les seuls objets destructibles qui peuvent être coupés, et qui sont susceptibles de... Mais attendez, je suis dans Initialize Destructible, je suis pas dans ma fonction... Bon, c'est pas grave, je la ferai après. Je suis pas dans mon événement Unlooked. Not enough lift ability. Et donc je disais simplement, on sait qu'il y a que ces trois cas-là. Si on n'est pas dans le premier cas, alors c'est forcément un objet qui doit être soulevé, parce que... on a les buissons, on a les vases, on a les pierres et on n'a pas 50 000 trucs dans notre jeu. Cannot lift still too heavy. Ok. Et donc, déjà, ça c'est pas sensor meta, c'est destructible meta. Ah! Et ensuite, comme j'étais en train de parler, j'ai oublié de me mettre dans une fonction on looked, donc qui est appelé lorsqu'on regarde un destructible. Voilà, en appuyant sur la touche action sans avoir la possibilité de le soulever. Donc voilà, on affiche un dialogue qui dépend du cas précis. Ben, moi ça m'a l'air bon, on n'a plus qu'à tester.
En fait, là, on rétablit ce qui était fait de façon hardcodée dans 1.1. Voilà. Oh là là, c'est bien trop lourd. Tu n'enlèveras jamais rien que par la force de tes bras. Et donc, ce qui est très puissant là-dedans, c'est que dans votre éditeur, vous créez vos maps, vous mettez vos buissons, et vous vous posez même pas la question de... est-ce qu'on va afficher un dialogue, machin. Le dialogue s'affiche globalement pour tous les buissons. Et le jour où vous voulez changer le dialogue, l'ID du dialogue, vous n'avez pas besoin de changer tous vos buissons du jeu, heureusement. Ok. Donc ça marche pour les buissons, ça doit marcher pour les pierres, même si on n'a pas encore fait de pierre. Alors attendez, on va en faire une. Sprite. Donc là, il faut chercher le sprite stone. Small white stone, voilà. Play sound, donc là ça va être le son stone. Le poids, c'est 1, c'est-à-dire qu'il faut le bracelet. Il peut pas être coupé, il peut pas exploser. Enfin, elle, puisque c'est une pierre, peut pas régénérer. Elle blesse un peu plus fort que les buissons, on va dire 2. Et voilà. Pas de trésor. Alors par contre, en dessous, là... Hop, c'est pas le même... Voilà, c'est celui-ci pour les pierres. Alors ? Ça ne répond plus. Au secours ! Mémoire virtuelle insuffisante. Mon Windows va me lâcher. Ok, c'est bon, ça répond à nouveau. Donc là, il me dit, c'est bien trop lourd, tu n'arriveras jamais rien que par la force de tes bras. C'est parce que j'ai l'épée. Si j'ai pas l'épée, il me dirait, il faut quelque chose de tranchant. Donc là, il dit la même chose. Et... Alors, je vais enlever l'épée. Sword. Je mets mon niveau d'épée à 0. Voilà. J'utilise la console Lua de debug en faisant F12. Quelque chose que je vous avais montré il y a quelques temps. Il te faudrait quelque chose de tranchant pour couper ces buissons. Voilà, donc ça fonctionne. On a un code un petit peu évolué. On s'en fout de ça. Voilà, avec 3K. Quelque chose qu'on aurait, on n'aurait pas pu faire cette distinction entre est-ce qu'il faut couper ou est-ce qu'il faut soulever, selon qu'on ait l'épée ou non. On n'aurait pas pu le faire simplement si il y avait eu une case choix du dialogue ici. Puisque le dialogue est conditionné par est-ce qu'on a l'épée ou pas. Donc voilà pourquoi les meta tables sont très puissantes. Je ferme Chrome. Et la dernière chose que je voulais vous dire, comme ça c'est des... Les objets qui sont dupliqués sur beaucoup beaucoup de maps quand même, les herbes, les buissons, les pierres. Je vous conseille de faire de la mettre sur votre map, de les mettre sur votre map store. Donc ça c'est le store, la réserve pour les décors d'intérieur. Alors on peut en faire une autre pour les décors d'extérieur. Outside store. Hop. Donc là, on va utiliser comme taille 7 Light World. La taille, bah, on va faire comme l'autre hein, pour l'instant. Une fois que ce sera bien rempli, on fera sûrement quelque chose de plus grand. Et puis donc. Oh, ça répond pas. Donc je prends un buisson, une pierre, une herbe. Et comme ça, dans mes maps extérieures, je pourrais venir me servir ici. Dans mes futures maps extérieures. Donc là, il faut mettre en dessous du buisson, il faut mettre ça. En dessous de la pierre, il faut mettre ça. Et puis vous pouvez faire une pierre noire aussi. Pierre noire, elle est là. Elle va avoir un...
Il faut une compétence soulevée de niveau 2. Et on va dire que ça tape deux fois plus fort. Voilà. Sur les ennemis, quand ils se font toucher. Je vérifie juste après que les trésors sont bien tous à nul. Oups. J'arrive pas à cliquer, au secours! Lui, il avait un cœur, donc on va mettre. Pour rester consistant, on va mettre rien. Plus tard, je vous expliquerai comment faire un trésor aléatoire. En fait, on fera un item spécial ici dans la liste qui s'appellera Random. Et quand cet item apparaît, ça va faire apparaître au choix un autre item choisi aléatoirement. Vous pouvez déjà aller voir le code de ZSDX pour savoir comment faire ça. Ok. Donc voilà notre tout petit store. Ici, idéalement, on mettrait plein de motifs de falaises déjà tout faits pour que ça aille plus vite à faire les maps la prochaine fois. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre consacré aux destructibles qui sont maintenant ultra personnalisables. On a battu le record du dialogue le plus haut de l'éditeur. Avec l'ascenseur qui est là. Mais je pense que vous trouverez ça pratique, surtout avec les meta tables. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Merci à tous et on se retrouve samedi pour le 56. Ciao.